Il y a de la joie. Salut et bienvenue. Alors on se retrouve pour un nouveau culte. Comme chaque dimanche, on va avoir un temps de louange et c'est Florent Genot qui va nous accompagner. Et ensuite, on aura un temps de partage avec Norbert Garcia. Je vous donne rendez-vous à 11h. On va partager le pain et le vin ensemble. Maintenant, je vais laisser Florence nous accompagner dans ce temps. Soyez bénis. Bonjour. C'est vraiment une grâce d'être ensemble ce matin autour du roi des rois pour le louer, pour l'adorer parce qu'il est notre Dieu et parce que nous sommes bien en sa présence. Donc pour commencer ce petit psaume qui dit « Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. » Mais Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu. Et même séparés physiquement, nous sommes autour de toi. Nous sommes heureux d'être dans ta présence et nous nous approchons avec humilité du trône des cieux. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, de t'entendre, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant. Ô Seigneur, manifeste-toi. Et c'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur pour ce matin, que même si nous ne sommes pas ensemble dans un même lieu, nous sommes unis en lui. Nous formons sa maison, nous formons son église. Et dans Hébreu, nous voyons ce verset qui dit « Christ est fidèle comme fils sur sa maison. » Et sa maison, c'est nous, puisque nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et j'aime ce verset qui dit que Dieu est fidèle sur sa maison c'est nous. Et pendant ce temps particulier que nous venons de vivre, nous avons vu ce que c'était que la fidélité sur nos maisons, puisque nous ne pouvions pas la quitter. Et nous avons vu ce que c'était que d'habiter ce lieu non-stop. Et je pense qu'on peut encore plus réaliser combien cette idée que Dieu est fidèle sur notre maison, Dieu est fidèle sur nous, nous sommes sa maison. Sauf qu'il dit « pourvu que nous retenions fermement
l'espérance dont nous nous glorifions. Et cette espérance, en fait, il dit ailleurs dans Hébreux que nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur. Et c'est une grâce vraiment de pouvoir tenir cette encre. C'est une encre qui n'est pas immergée dans l'océan, qui n'est pas fixée dans le sable, au fond de l'océan, au fond de la mer, mais elle est fixée dans les cieux. Elle est fixée là où Jésus est entré, là où il a déchiré le voile pour aller accrocher cette encre, pour que nous, on puisse la saisir et pour qu'on puisse demeurer ferme. Amen. Donc, on peut louer ce Dieu qui est venu se manifester à nous, qui est venu nous chercher, qui est venu nous tendre cette encre pour qu'on demeure solide en lui et pour que, du coup, notre solidité soit vraiment appuyée sur sa fidélité, appuyée sur son amour pour nous. Donc, j'aimerais qu'on loue le Seigneur et qu'on chante ce chant qui dit que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh. Fidélité. Merci parce que tu es ce Dieu-là, ce Dieu qui a été conséquent jusqu'au bout pour venir nous chercher, pour nous prendre dans tes bras, pour nous garder contre toi. Et Seigneur, ce matin, nous te disons oui, prends-nous avec toi, prends-nous contre toi et nous regardons à toi, nous te bénissons pour qui tu es. Il est juste et grand, il peut tout accomplir.
c'est plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses élevées. Il a vaincu la mort. Notre main, Jésus. Nous voulons nous accrocher à cette encre, Seigneur, que tu nous proposes. Merci d'être notre Dieu. Tu es ici, sa grâce nous conduit. Il s'éloigne jamais, il s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. La vaincu la mort, il vit, mon Dieu puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu puissant, le Seigneur, mon Dieu. Pour toi, pour moi. Que ta présence nous suffit, elle est toute suffisante. Merci de remplir nos cœurs et de toi. Ouais, nous accueillons ton esprit, nous accueillons ta présence dans nos maisons, là où nous sommes. Nous t'invitons à prendre cette première place. Merci pour ton trône.
sur nos vies, sur nos maisons, sur nos cœurs. Ouais, merci Seigneur pour les prières qui sont dans les cœurs de mes frères et sœurs. Merci pour les soupirs qui sont dans les cœurs de mes frères et sœurs. Et merci pour cette adoration qui monte vers toi, qui est précieuse pour toi. Merci mes frères et sœurs, mes amis, pour ce bon temps partagé ensemble devant notre Seigneur. Soyez bénis. Merci Florence pour ce temps de louange et pour ces paroles, c'était une vraie bénédiction. Il est temps de sortir votre Bible, de quoi noter. Soyez bénis à travers la parole de Dieu. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à vous tous derrière votre écran. J'espère que vous allez chacun d'entre vous aussi bien que possible. Alors dans notre famille, nous avons une espèce de tic, une espèce de rictus qui est un petit peu notre marque de fabrique, la marque de notre famille. Et il n'est pas très joli, je vous l'avoue, mais c'est ainsi. Quand je regarde quelque chose ou quand je réfléchis à quelque chose, ça donne à peu près ça. Voilà, mes enfants font la même grimace. Et je m'aperçois que certains de mes petits-enfants la font aussi. Alors l'histoire de cette grimace remonte à mon enfance, lorsqu'on m'a découvert très tôt une myopie. Je forçais sur mes yeux pour voir le tableau à l'école. Et c'était trop tard pour moi, ce tic m'est resté jusqu'à aujourd'hui, bien que je sois corrigé de ma vue. Alors pourquoi mes enfants et mes petits-enfants font-ils aussi cette grimace? Ils le font par imitation. Ils ont passé du temps avec moi, ils ont commencé à m'imiter de manière involontaire. Ils m'observaient, ils ont reproduit et ils ont intégré. Ils n'avaient pas besoin de lunettes, étant plus jeunes, mais ils ont incorporé à leur façon d'être cette posture. Cela a passé à l'autre génération. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour passer un message à mes enfants, à David, Sébastien et Franck. Pardonnez-moi de vous avoir transmis cela, mais j'espère que je ne vous ai pas transmis que cela. Bon, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Norbert, tu nous parles de ceci? Quel est le rapport avec la marche chrétienne? Voilà. Tout simplement parce que la marche chrétienne est une marche dans l'imitation. Lorsque Jésus appelle ses apôtres, l'évangile de Marc nous dit qu'il les appela pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Mais d'abord pour les avoir avec lui. Pendant 3 années, jour et nuit, les apôtres ont marché avec Jésus. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu agir, ils l'ont observé. Et ils ont développé avec lui une relation vitale. Ils étaient à son école et cette relation a eu un impact durable dans leur vie. Ils étaient disciples et Jésus était leur maître. Et Jésus est devenu pour eux le modèle à imiter. Car Jésus se donnait lui-même comme un exemple et comme un modèle. Et c'est expressément ce qu'il dit à ses disciples après avoir quitté ses vêtements, après avoir pris un linge qu'il mit autour de sa taille et après leur avoir lavé les pieds à chacun comme un esclave. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 13, que je vous invite à lire, il nous est dit ceci. « Si donc moi, qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors vous voyez, c'est une imitation par relation, un mimétisme relationnel. Vous avez déjà vu sûrement à la télévision des singes qui imitent des hommes. Voilà, on leur met des habits, on leur met un chapeau, ils font quelques grimaces pareilles à celles que je vous ai faites tout à l'heure, en imitation de paroles, mais ce ne sont que des singeries et non des imitations. Alors, mes amis, pour que notre vie devienne une imitation de Jésus-Christ et non une simple singerie, il y a tout un travail à l'intérieur des cœurs de ceux qui marchent avec Jésus. Ce n'est vraiment pas simplement par la volonté, sinon le christianisme deviendrait une religion moraliste
voire légaliste. C'est une transformation qui s'opère par le Saint-Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit-Saint qui prend ce qui est à Jésus et qui nous le communique. Jean chapitre 16 et verset 14. Le Saint-Esprit révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Ce processus de transformation, cette identification à Jésus-Christ, cette ressemblance au Seigneur, cette imitation commence dès la nouvelle naissance. Dès lors que nous naissons d'en haut, nous devenons des enfants de Dieu alors que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ et que nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Alors, dès ce moment-là commence un processus, un travail de transformation et de ressemblance et d'imitation. Éphésiens chapitre 5, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, ayant les marques de fabrique de Jésus-Christ dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre éthique, dans notre faire, dans notre vouloir. » Alors, mes amis, c'est un processus qui va durer toute une vie et qui sera achevé alors que nous le verrons face à face. Romains chapitre 8, verset 29, vous connaissez tous ce verset, mais vraiment, je voudrais simplement appuyer sur ce qui est dit là. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés hors selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. C'est cela notre destinée, c'est cela ce qui nous attend, c'est être semblable à Jésus-Christ. L'apôtre Jean ne dit pas autre chose. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je voudrais maintenant un peu expliciter ce processus de transformation, d'imitation. Comment ce processus s'opère-t-il? Comme pour les apôtres qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, il n'y a pas d'autre moyen que celui de la relation avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen que celui de l'observation de notre Seigneur. Et cette observation va se décliner aussi en contemplation du Fils par l'action du Saint-Esprit. Écoutons encore ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En d'autres mots, frères et sœurs, nous devenons ce que nous voyons et ce que nous contemplons. Et ce que nous contemplons ne peut être que le Fils bien-aimé du Père. Et je le répète, nous devenons ce que nous voyons et ce que nous contemplons. Somme toute, le message de l'Évangile est très simple et il pourrait se résumer en cette petite phrase. Regarde Jésus. Regarde Jésus, il est ton sauveur. Regarde Jésus, il est ton Seigneur. Que ce soit pour le chrétien qui démarre dans sa vie chrétienne, qui démarre dans sa marche chrétienne, que ce soit pour le chrétien mature qui a déjà fait des kilomètres avec le Seigneur, le message est le même. Regarde Jésus. Et c'est le rôle des responsables, c'est le rôle des ministères dans l'Église
que de dire et de redire ce même message qui ne change pas. Regardez Jésus. Regardez à Jésus-Christ. Les apôtres écrivant le Nouveau Testament ne faisaient pas autre chose. Ils disaient, et ils disent encore aujourd'hui, regardez à Jésus-Christ. Ils posent Jésus-Christ comme modèle à imiter, mais, frères et sœurs, ce modèle vit en nous par le Saint-Esprit. Il est donc aussi source et puissance d'imitation et de transformation. Et voici un exemple très bref. Jésus, dans sa relation avec le Père, il appelle son Père, Père. Et il enseigne à ses disciples, de manière formelle, à prier en disant « Notre Père ». Et quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit, par son œuvre de régénération, fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, il nous est dit qu'il crie en nous « Abba, Père ». Le Saint-Esprit qui habite en nous et qui a fait de nous ses enfants, crie « Abba, Père ». Et il crie tellement fort que nos propres voix se joignent au cri du Saint-Esprit en nous, et nous-mêmes, nous crions « Abba, Père ». Je vous donne deux références pour cela. Galates 4, verset 6, et Romains 8, verset 15. Alors, tout ceci ne se fait pas en un instant. Notre marche chrétienne sur cette terre consiste et consistera toujours à marcher dans cette marche d'imitation. Et dans cette marche d'imitation, nous allons désapprendre des tas de choses qui sont pour nous de l'ordre du naturel ou de la chair. Et nous allons apprendre des tas de nouvelles choses à l'école du Maître en l'observant, en le regardant et en l'aimant. Lorsque les apôtres ont commencé leur marche avec Jésus, ils ont eu effectivement à désapprendre des tas de choses, et principalement en ce qui concerne le relationnel. Les plus grands problèmes que les apôtres ont rencontrés, ce n'est pas le fait de chasser des démons, ce n'est pas le fait de guérir des malades, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de leçons du maître pour faire ceci ou cela. Ils ont eu beaucoup de leçons du maître en ce qui concerne les relations. Et ils ont dû désapprendre la comparaison entre eux. Ils ont dû désapprendre la compétition entre eux. Ils ont dû désapprendre l'orgueil et les préjugés. Ils ont dû désapprendre le manque de pardon. Ils ont dû désapprendre le désir de pouvoir et de notoriété. Ils ont dû désapprendre l'abus d'autorité. Mais à l'école de l'imitation de Jésus-Christ, ils ont appris le pardon. Non seulement le pardon, mais la persévérance dans le pardon, 7 fois, 77 fois. Ils ont appris le service, mais encore plus que le service, le don de soi. Ils ont appris l'humilité. Ils ont appris à ne plus considérer les autres comme des rivaux. Mais ils ont appris l'amour fraternel et l'affection. Mes amis, en le regardant, en l'observant, en contemplant notre Sauveur et Seigneur, nous nous décentrons de nous-mêmes. Nous abdiquons la royauté et la gouvernance de nos vies. Nous ne sommes plus le centre de notre petit, que dis-je, minuscule univers. Au contraire, nous nous réjouissons avec la création entière et avec la foule et les myriades dans ce culte éternel. Nous nous réjouissons de ce qu'il a été trouvé digne de régner. Faisons attention, frères et sœurs, à tout ce qui pourrait nous recentrer sur nous-mêmes, alors que le Saint-Esprit pointe sur Jésus-Christ. Même des pensées qui nous semblent justes peut être aussi à la fin pernicieuse. Comme celle-ci par exemple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et jusque-là, pas de problème. C'est la parole biblique, c'est la parole de Jésus.
Mais de cette parole de Jésus, on en déduit, on ne peut pas aimer le prochain si on ne s'aime pas soi-même. Alors cette déduction peut sembler juste, mais j'y vois un essai pour nous recentrer sur nous-mêmes. Toute notre recherche, toute notre attente va consister à mieux s'aimer soi-même, et donc du coup, à faire de notre propre personne le centre de notre vie spirituelle. Or, la Bible ne nous enseigne vraiment pas du tout ça. Peut-être les sciences humaines, mais pas la Bible. Au contraire, fidèle au processus que je vous ai décrit, elle montre d'abord ce que Jésus est et a fait. Et elle nous exhorte à observer ce que Jésus était et ce que Jésus a fait. Il nous a aimés le premier, alors aimons-nous les uns les autres. Quand j'observe, quand je regarde Jésus, je vois ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Cela me donne le cap et cela me donne les ressources pour atteindre le cap. Dans Jean 3,16, vous connaissez ce verset par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que vous connaissez 1 Jean 3,16, autre verset à mettre en relation avec Jean 3,16, la première épître au chapitre 3 et verset 16. Et on peut lire ceci, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Dans ces deux passages, il y a inconnument l'amour de soi-même qui entre en jeu. Toutes les épîtres ont ce même principe. Cela commence par un appel, une exhortation, un rappel de ce que Jésus est, de ce que Jésus a fait. C'est le cap. Il nous donne le vouloir et en même temps, il nous donne le faire. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Je suis chrétien. Je porte le nom de Christ. Vous portez le nom de Christ. Vous portez ce nom comme on porte un flambeau. Que nous soyons connus comme ses disciples, parce que nous lui ressemblons, parce que nous désirons l'imiter, parce que nous voulons être à son école, parce que nous voulons apprendre de lui. Parce qu'il est doux et humble de cœur, nous voulons être doux et humbles de cœur. Parce qu'il s'est soucié des autres avant de se soucier de lui-même, nous voulons nous soucier des autres avant même de nous soucier de nous-mêmes. Vous allez me dire, les apôtres avaient Jésus-Christ en chair et en os. Où est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons voir le Seigneur? Où est-ce que nous pouvons l'observer? Où est-ce que nous pouvons le contempler pour être transformé à son image? Mes amis, la réponse est simple, dans sa parole. C'est là qu'il se dévoile. Vous vous rappelez, lorsque Jésus marche après sa résurrection avec les disciples d'Emmaüs, il fait un bout de chemin avec eux, et il leur explique tout ce qui concerne sa personne. Et il explique au travers des Écritures. Luc 24, verset 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Voilà où nous devrions porter nos regards. Voilà où nous devrions observer si nous voulons connaître davantage Jésus-Christ. Afin de pouvoir l'imiter, afin de pouvoir lui ressembler, afin que le Saint-Esprit nous donne les ressources nécessaires pour atteindre le cap. C'est dans la parole de Dieu que nous devrons aller voir. Mes amis, que Dieu vous bénisse. J'aurai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vous dire encore à ce sujet-là, mais j'arrête là. Et je dis simplement une chose. Regardez Jésus-Christ. Il est le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur ses lèvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir participé à ce culte, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce matin. On se retrouve à 11h pour partager le pain et le vin ensemble. Cette semaine, je vous donne rendez-vous pour les pensées du jour et jeudi à 20h30 pour le temps de méditation. Passez un bon dimanche, prenez soin de vous et soyez bénis.